Au tep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Kula Mala, ministre tchadien des Affaires étrangères, vient de préciser une chose très importante. C'est une précision capitale. Il dit, nous ne sommes otages de personne. Nous sommes libres de tisser des relations avec n'importe qui, avec n'importe quel partenaire de notre choix. Pourquoi il dit ça? Parce que, vous le savez très bien, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, était en Afrique encore. Ça a bousculé l'Occident. Quand il voit les Russes avec les Africains, ils ont des problèmes. Ils tremblent, ils peurent, ils pleurent. Mais il y a un problème avec ces gens. C'est-à-dire qu'ils nous prennent pour leurs choses. Nous appartenons, l'Afrique appartient à l'Occident. En fait, c'est ça qu'ils veulent nous dire. Ils ne l'expriment pas ainsi, mais c'est ça. Ça encore, c'est une forme d'impérialisme. C'est-à-dire que vous prenez un être humain comme vous, que vous n'avez pas créé, que vous n'avez pas mis au monde, et vous en faites votre chose, votre bien personnel. C'est vous qui commandez cet être-là, c'est vous qui dirigez cet être-là, c'est vous qui torturez cet être-là, c'est vous qui êtes le propriétaire des biens de cet être. C'est ça l'impérialisme. Une autre face cachée de l'impérialisme. Et vous mentez, vous créez des choses. Non, vous savez, le Tchad, si le Tchad est arrivé là, c'est la Russie. Si les Africains sont en train de réfléchir là, c'est à cause de la Russie. S'il n'y avait pas la Russie, les Africains seraient toujours nos esclaves à vie. On n'allait pas s'inquiéter. On allait toujours avoir nos esclaves. On frappe dessus. Ce serait nos punching ball. On vient, on donne des coups. On s'entraîne là à donner des coups. Ah oui, c'est pas étonnant. Où est-ce que la France a fait ses essais nucléaires? La France n'a jamais largué une seule bombe nucléaire sur le territoire français. Tous ces essais-là, c'est en Afrique. Il est arrivé des moments où la France prend des déchets nucléaires. Elle vient jeter ça en Afrique. Dans mon pays, au Congo, là. En Côte d'Ivoire. Au Gabon. Le Niger n'en parle même plus. Le Niger, elle exploite l'uranium. Elle prend les déchets nucléaires. Elle déverse dans l'espace, dans l'air. Tout est pollué. Pendant 30 ans, la France a fait des essais nucléaires en Polynésie. 30 ans. 193 bombes nucléaires que la France a larguées en Polynésie. Pendant plus d'une vingtaine de milliers d'années, ce pays est pollué. Ça, c'est l'œuvre de... C'est ça, l'impérialisme. J'ai dit, ça c'est l'impérialisme. Ça n'a rien à voir avec le capitalisme. Ça c'est l'impérialisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, le Tchad est en train de prendre une autre direction. Kaka Déby a compris que la direction que prenait le Tchad n'était pas la bonne. Vous ne pouvez pas, 60 ans après les indépendances, vivre dans l'insécurité la plus totale et continuer à penser que ce partenaire qui assure notre sécurité là, c'est un bon partenaire. C'est-à-dire que même si on est bête, et j'espère que Succès Masra a compris, parce que son avenir et sa vie en dépendent.
Parce que s'il veut encore venir faire comme il faisait avant, là, comme il a fait avec le Père, ça va mal aller pour lui. J'espère que les 6 mois qu'il a fait en tant que Premier ministre, il a dû voir, toucher ces dossiers-là de près et voir que ce n'est pas normal. Et j'espère surtout qu'il aura le courage maintenant de dénoncer. Parce qu'avoir une expérience est un fait. Mais être capable maintenant de dire que non, ça ce n'est pas la bonne voie, moi il faut que je prenne telle autre voie, c'est un autre fait. Kaka Déby est en train de prendre la direction que son père avait commencé à prendre à la fin de son existence avec nous sur cette terre des hommes. Kaka Déby est en train de prendre un virage 190 degrés. On l'a vu exercer, faire des exercices militaires avec les pays de l'AES. On l'a vu aller en Russie. Maintenant que son ministre des Affaires étrangères a parlé, il a précisé ce que le président Kaka Déby lui-même avait déjà dit depuis Moscou, que je suis un pays souverain. Le ministre des Affaires étrangères ne fait que répéter ce qu'avait dit le président. Et j'espère qu'il va maintenir cette position jusqu'au bout, qu'il ne va plus reculer. Les autres, on était avec eux 60 ans pour prendre que cette petite période, parce qu'ils nous demandent d'oublier l'histoire. Ok, on va oublier l'histoire. Prenons cette petite période-là jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Rien. Faisons le bilan. Rien. Ça nous a apporté que le malheur, les pleurs. Maintenant, on change de direction. La Russie a la technologie. La Russie peut nous aider dans le domaine. Elle a l'expérience agricole. La Russie a les armes pour assurer, pour nous aider à assurer notre sécurité. Il vaut mieux être avec la Russie que d'être avec les autres. Parce que ceux-là, ils ne nous apportent que le malheur et les pleurs. Ils nous apportent que la division, comme ils sont en train de faire entre le Niger et le Bénin. C'est ce qu'ils ont fait entre l'Iran et l'Irak. C'est ce qu'ils ont fait entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. La seule chose qu'ils savent faire. Partout là où ils passent, là, on voit que ça. La division. Le père et la fille. Et c'est pour ça qu'ils ont écrit ça dans la Bible. La division. Le père va haïr sa fille. Son fils. La mère va haïr sa fille. La fille va haïr sa mère. C'est ce qu'ils ont tout écrit. Hein. Ce qui est bien chez eux, c'est qu'ils ont tout écrit. Il suffit pour nous de relire ce qu'ils ont dit là. Et puis on a tout. Vous lisez la Bible, vous avez tout ce qu'ils font là. Vous voyez ça dans la Bible. Le royaume des cieux est violent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Moi qui ai dit ça, c'est dans la Bible. Le peu que vous avez là, on va vous ravir ça. Pour moi, c'est la Bible. Le peu que les Africains ont là, on va leur ravir ça. Ils ont tout dit. Oh, bien-aimés frères et sœurs, bravo pour Kaka Déby et son gouvernement, pour les choix politiques qu'ils sont en train de faire actuellement. Et j'espère qu'ils vont persister. Et j'espère qu'ils vont résister. Ils ne vont pas céder à la tentation. Parce qu'on va vous donner 100 millions, tant de millions de dollars, tant de milliards. Et puis bon, on reprend le pays, on le sacrifie. C'est fini. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.